再帮啥？再弄点钱，再弄点钱。il faut ajouter forcément le combat, il faut ajouter forcément l'esprit. Faire un feedback derrière, regarder, consulter les rêves et puis déchiffrer. Sinon, c'est le péché. Le péché. Vraiment que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne. C'est comme ça. Dans la constitution, il y a le bon espoir. Dans la constitution, il y a une constitution pour se réveiller. Pour se réveiller par le 6. C'est le 6 qui est derrière. Le 6, Satan, le carbone. Vous savez quoi? Du nombre des croyants, du nombre des prophètes de Dieu, il y a un prophète qu'on appelle Daniel. Et puis j'étais battu fois, je crois de suite, dans la fosse des lions. Et les lions ne lui ont rien fait. C'est comme ça. Daniel, vous voyez, c'est quoi? C'est un croyant. C'est un croyant. Daniel. Décembre, c'est quoi? C'est le 10e mois de l'année. N'est-ce pas? Donc, 11 décembre, vous savez quoi? 11 décembre, ça fait que ça fait? L'année, c'est quoi? Alors, voici 11 décembre, c'est le 10e mois de l'année. Donc, 11 décembre, ça définit quoi? Ça définit le couple 11-12. Et ce couple-là, c'est quoi? C'est un patron qui développe de quoi de l'état. Un patron de développement de 23. La somme de fait, la somme de conseil de tout, ça fait 23. C'est comme ça. Donc, ce qu'on se trouve, c'est quoi? C'est un patron, un développement de 23. 23 en est le solide. Et puisque le patron est solide, je peux le comprendre, ça peut être un péché. Alors, je confonds ce groupe-là en plus de 23. Et quand vous voyez 23 de bon, la somme de 23 de bon, la somme de l'inconnu. La meilleure idée, c'est quoi? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est pourquoi les lions n'ont rien fait. Le lion que vous voyez, c'est quoi? Le lion que vous voyez, c'est l'incarnation de Dieu. C'est l'incarnation de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas lui, le roi de la forêt? C'est comme ça. Le lion, c'est quoi? C'est l'incarnation de Dieu. C'est comme ça. Et quand Daniel a vu Jésus de quoi? Dans la force des lions, les lions n'ont rien fait. Parce que Daniel, c'est quoi? C'est incroyable. Il croit en Dieu. C'est comme ça. Il est un croyant, c'est-à-dire, c'est un obéissant à la loi du lion. Et la loi du lion, c'est ça qu'on appelle le talion. Le talion. Le talion. C'est comme ça. Il obéit à la loi du lion. Et la loi du lion, c'est ça qu'on appelle le talion. C'est le talion. Talion, le lion comme le lion, et donc le roi de la forêt. Le lion, c'est comme ceci, Talion comme quoi? Le lion roi de la forêt. Yeah.